Hello tout le monde, c'est Kraft. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode déjà de notre Let's Play sur Mario Bowser Fury. La dernière fois, si vous vous souvenez bien, on avait bien galéré sur cet horrible niveau qui est juste là. J'en ai des sueurs froides rien qu'à y repenser, c'était la galère. Il fallait qu'on obtienne 40 astrophélins si je me trompe pas, et on en a que 32, du coup on va continuer pour essayer de peut-être pouvoir combattre Bowser une dernière fois. Enfin une dernière fois, je pense pas que ça soit le dernier boss, mais bon. On sait jamais et on verra bien. Sur ce, on commence. Alors, non, on va surtout pas continuer ce niveau tout de suite, hors de question, on va changer. Alors, ah, il y a un truc de Nessie là, est-ce qu'on n'irait pas tenter? Alors, oh, c'est sous une cascade, c'est hyper stylé, incroyable. Alors... Qu'est-ce qu'il y a ? On peut plonger, ressortir d'un plongeon en sautant pour accélérer. Ah ! Ok ! Je comprenais pas comment on était censé passer là-dessous. Ok, on va recommencer. Cette fois on se concentre, maintenant qu'on s'est plongé, ça devrait être beaucoup plus simple. Oh là là, mais c'était écrit en gros, en plein milieu de l'écran depuis le début, j'avais pas vu. Ok, parfait. Ça c'est fait. Ah, je savais pas du tout qu'on pouvait plonger avec Nessie. Hmm, bonne découverte ça. Alors, c'était où? C'était là? Ouais. Alors, on va retourner essayer de choper le lapin. Ça fera un petit astre rapide. Alors, le lapin. Où est-ce qu'il va comme ça? Oh, il y a Bowser qui va se réveiller. Allez, ok. Ça c'est fait. Parfait, donc deux astrophélins assez rapidement. C'est bien les petits niveaux comme ça là. Ok, 34. Ah, il y a un astre là. Qu'est-ce que... Ah, faut une clé. Une clé pour l'astrophélin en cage. Ok. Comment je suis censé savoir où est la clé par contre? Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais en train d'encore misclick et là il y a ça qui est apparu. Retenir un B pour voler? Oh, c'est incroyable! C'est trop bien! C'est incroyable. Par contre, elle est où la clé? Oula, oula. Ok, c'est enfin fini. Ah, c'était long. On va prendre ça. J'ai aucune idée de où peut être la clé par contre. C'est un peu problématique. En bas il donne un truc pour voler donc ça doit être en hauteur je suppose. Je vais peut-être regarder dans les cubes. Ok. Ah,
Ça serait pas là-dedans? Qu'est-ce que c'est ça? Ok, et si je me mets là? Allez, attaque! Non, juste des pièces. Mais où elle peut être Oh! C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être là! Ah non, c'est une clochette. Ah, mais elle est là! Ok. C'est hyper pratique ça, dis donc. Je savais pas qu'il y avait plus d'objets que ceux qu'on peut avoir là sur le côté. Porter un objet. Ok. Oulala. Hop. Oula, oula. Ok. Hop. Cet atterrissage très naturel. Ok, super. Astrophélin gagné. Et on en a 4 du coup ici. Alors, il nous en reste 5 à obtenir. Là j'ai l'impression qu'on a tout pour l'instant. Là on n'a pas tout. On a qu'à aller faire le niveau du début, tiens. Il doit pas être bien compliqué. Je m'en remets pas de toutes ces oreilles de chat partout. Ah mais il y a un truc comme le Luigi qu'on avait combattu là. Ah bah, il est de retour. Viens là. Paf. Oh, Bowser Junior, magnifique. Super quoi. Ah bah voilà. Des bonnes boules de feu. Astrophélin gagné, ok. Donc 36. Mais on en a vraiment pas beaucoup d'astres là. Mais on a même pas tous les petits. On peut pas casser ça avec les boules de feu. Ok. En vrai, est-ce qu'on chercherait pas un peu les petits astres? Mais... c'était là depuis le début, on les a pas pris. Bon. Corrigeons tout de suite cette erreur. Là. Ok. J'ai vu pendant la cinématique qu'il y avait un truc un peu suspect. Genre là-bas, là. Là-haut. Il y a quelque chose, non? Ah bah oui, il y a quelque chose. On n'a rien vu. Oh, bah elle vient d'où? Ok. On prend des précautions. Hop là. Ok, il nous en manque que 2. J'ai quand même vérifié dans les arbres aussi. Tout en haut de ça, je sais pas si on peut grimper. Oh
Oulala. On va rester caché là, hein. Il est tranquille, Boozer, hein, il attaque mon fils, pas de problème, tout va bien. Ok, alors, il y a peut-être un astre là-haut, hein. J'étais pas allé voir, je crois. Mais il y a plus les oiseaux. C'est giga suspect, ça, là. Très très suspect. Donc on va aller voir en haut, et après, on va voir en bas. C'est pas passé loin. Est-ce que je peux grimper là? Ah, je peux pas. Ok. Donc là, je peux pas. Celui-là, on l'avait eu. Clochette parfaite. Donc on va descendre. Ok, c'était là. Ah, bah voilà! Un astre! Ah, c'était le dernier, ok. J'avais pas fait gaffe. Ah non, c'était bien l'avant-dernier, ouais. Hop! Où peut être le dernier astre, par contre? Ça m'intéresse, hein? Pas vraiment. Je peux pas être là quand même. Si. Ah. C'est embêtant ça. je vais quand même faire le tour et si jamais je trouve rien, bah on se retrouve juste là quand il y aura Boozer, hein, je crois. Bah. Oula. Il y avait ces panneaux avant. Est-ce que j'arrive à y casser comme ça, ça? Non, hein. Ça aurait été un peu trop simple. Oh! Oh! Ça va être pratique, ça. Peut-être que je vais pouvoir esquiver l'attaque de Boozer avec. Si je reste là... Bon, il devrait se mettre en face, normalement. Allez, Boozer, s'il te plaît, attaque là. Allez, ouais. Parfait. Oh, mais c'est carrément un gros. J'aurais pas cru. Mais il est où le dernier petit alors? Ah, il doit être effectivement tout en haut, mais il nous fallait débloquer je ne sais quoi là, les ailes volantes. Ok, ça doit être ça. Et en plus, il perd de la vie, parfait. Ok. Et donc je pense que c'était bien là où je pensais, c'est-à-dire tout en haut, mais qu'il nous fallait justement les ailes pour y aller. Ok. Ah non, c'est même pas ici. Étonnant ça. Si c'est pas là, où est-ce qu'il peut être? Parce que j'ai fait un peu le tour. Alors ça, ça me laisse perplexe, tiens. Oh, ils sont trop mignons. Petit chat. Vous avez une clé, là? Mais il faut l'idée où? Ouais. Il y avait un astre en cage au début. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, effectivement. Ok. Bon, on n'aura toujours pas trouvé le dernier petit astre, mais au moins on aura deux gros. C'est pas mal aussi. Hop. Parfait. On va vite se décaler avant de se prendre la boule de feu dans la tête par contre. Thank you.
quoi? Il était là depuis le début. Oh là là. Ok. Oh bah super. Normalement on a ce phare au max. Qu'est-ce que ça fait du coup? Il reste tout le temps allumé? Oh, parfait. Alors 39, plus que un astrophélin. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait ce niveau, parce que la dernière fois on l'avait commencé, Boozer était apparu, du coup je m'étais stoppé pour utiliser la cloche. Et je n'étais jamais revenu. Ok. Cendre. Ok, parfait. Je m'attendais à réussir 15 000 fois là. Les trucs comme ça en général c'est piégeux. Parfait. Ok, donc là avec ça on devrait pouvoir allumer la giga cloche. Je sais pas s'il faut faire tous les niveaux en entier pour finir le jeu. Enfin du moins avoir le boss final. Ok, quand la bête se réveillera je m'éveillerai aussi. Ah bah parfait. La bête est en train de se réveiller. Ça tombe bien. On va prendre ça. Oh, mais attendez, est-ce qu'on peut devenir géant avec genre les boules de feu et faire des boules de feu géantes? Ça m'intéresse d'un coup. Oh, le boomerang en géant, ça doit être incroyable. Je sais pas si c'est possible. Ça va, Boozer Junior? Je te dérange pas. Alors, la cloche. Ça faisait longtemps. Ouais c'est ça, on n'a pas d'objet. J'avais un petit doute, je savais plus s'il y avait quand même les... Oula oula, les objets ou pas. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Oula. C'est pas du tout le même pattern qu'avant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, des ballons? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais il fait plus du tout son truc où il me saute dessus. Mais comment est-ce que je le touche du coup? Est-ce que je dois lui lancer ça peut-être? Je peux lancer? Ah c'est peut-être ça. Attendez, je vais essayer de lui lancer un truc dessus. Ah ok c'est ça, ouais ouais. Ok parfait. Faut faire le sniper donc. Ok. On va lancer des trucs là. Ouais. Bon là normalement on est tranquille. On l'a envoyé valser, c'était assez incroyable. Ah déjà? Ah ouais ok, donc il y a au moins encore une phase. Mais il va falloir combien d'astres? Oh!
Si on part. Vous ingénieurs semblent vouloir vous dire autre chose. J'y crois pas. Papounet est devenu gigantesque et tellement puissant. Il est encore plus terrifiant à chaque fois qu'il réapparaît. C'est vrai que c'est un peu problématique. Mais je suis sûr que si on poursuit nos efforts, il pourrait devenir juste effrayant. Faut pas baisser les bras maintenant. Juste effrayant. 50! Ah, mais pff, ok, oui, il me consomme pas tous les astres à chaque fois. Il vient à peine de se réveiller? Mais il arnaque là un peu, non? Du coup, il se réveille de plus en plus souvent. Oh, c'est pas bon ça. Le ciel était pas comme ça avant, non? Ou c'est juste que j'ai jamais vu? Qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a des trucs de fous qui sont apparus. Et même la musique est pas pareille, j'ai l'impression, non? Ouais, là aussi. Quoi ça sert ces trucs? Dès que j'y aille avec Nessie, mais. Je vous avoue, j'ai pas trop envie de tester là. Il a l'air un peu, comment dire, vénère. Le petit lapin tranquille. Tout va bien. Ouais, il est vénère encore plus longtemps qu'avant. Hein. J'ai l'impression, du moins. Mais ça dure indéfiniment ou. Mais attendez. Je me demande si c'est pas infini, du coup, la phase là. Oh la galère. Bon, ben, on va continuer d'avancer hein, parce que là, j'ai l'impression que ça va pas s'arrêter. Quoique il s'arrête? Non? Ouais, bon, bah on va devoir continuer comme ça. Hein. Bon, bah go, hein, on n'a pas le choix. Hein. Il a pas l'air de vouloir partir. Astrolore? On pourra le faire partir. Oh, j'espère. Du coup, il part pas tant qu'on n'a pas d'astro maintenant. Oh la galère! Ah! Je comprends mieux pourquoi il y a cette mécanique du coup. C'est parce qu'au bout d'un moment, t'es obligé de l'utiliser. Ou alors c'est juste qu'il reste hyper longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il reste indéfiniment si j'ai pas d'astre, parce que là, j'ai cut, mais il est resté vraiment hyper longtemps et il avait pas envie de partir. Hein. Alors, du coup. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis arrivé en plein milieu d'une réunion de village ou un truc comme ça là, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils peuvent me toucher de là ou pas? Je vais prendre les boules de feu, hein, parce que. Ah! Ok. C'est assez facile à esquiver, donc ça va. Et. Ah, mais il y en a un là. Ok. Ah, parfait. Ok, donc ça c'est fait. Il nous en reste plus que un ici. Oh, mais on avance bien, hein, franchement. Je pense qu'on doit être pas très loin de la fin. Et c'est là que je vais recevoir plein de commentaires. Mais non, Craft, t'es même pas à la moitié là. Là, c'est que le début du jeu. Il faut peut-être que je reparte, que ça se mette à jour, entre guillemets.
Y a pas grand chose qui a changé, hein. Là par contre, il y a des trucs encore. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah, je peux pas aller dans l'eau. Super. Deuxième essai. C'est quoi ça? Ouais, mais ça j'ai déjà eu. On va pas aller par là parce que ça sert à rien. Ah, est-ce qu'il y a pas un truc à casser là? Peut-être. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Alors, il manque un truc. Est-ce que c'est pas aérien peut-être? Non. Ah mais attendez, si là-bas on avait dû casser des trucs pour avoir un astre, est-ce que c'était pas les blocs qu'on avait vus une fois où on s'était dit ah faudrait que Boozer les casse? Alors ils sont où par contre? Ça doit être contre une paroi hein, je pense. Oh! Oh, toutes les pièces, incroyable! C'est trop bien! Tellement cool! Hop là, bonne réserve de pièces. Alors, est-ce que c'est pas par là-bas, vers là où il y a Nessie peut-être? Il n'y a rien de cassable par là? Avant qu'il se réveille, ça serait bien que je trouve. On n'est pas à attendre une fois de plus. Bon, de toute façon, il a pas l'air de se dormir une fois réveillé. Ah là. Ok. Je me disais bien que je voyais rien à part ça. Ok, bon bah on va se retrouver dès que Boozer est réveillé. Et je pense que le dernier devrait être juste là. Ok alors. Boozer se réveille. Parfait. Allez, vas-y Boozer. Tape là, s'il te plaît. On se cache ici. Est-ce que ça a marché? Yes. Vite. Juste à temps. Parfait. Mais c'est pas passé loin là. Je pense ce qui se passe si on arrive à le mettre KO avec les lumières de phare. Je sais pas si c'est possible. Il doit peut-être lui rester quand même un peu de vie. Cool, trop bien. Parfait. Ok, ben du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit épisode. On aura quand même 43 astrophélins, c'est pas mal du tout. En plus on aura combattu Boozer et on l'aura bien daté, on va pas se mentir. Et franchement ça commence à devenir un petit peu compliqué vu que j'ai l'impression qu'il ne se rendort pas une fois qu'il est passé en mode furie. N'hésitez pas à me dire si c'est juste que c'est très long ou si effectivement il se rendort pas. Mais bon, oula, on va éviter de se faire attaquer pendant l'outro. Mais bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça soutient grandement. Sur ce, merci à tous et passez une bonne journée. Ciao !